L'Étoile du Sud, c'est la troisième soirée consacrée ce soir à Retour de Flamme. C'est un programme très très particulier. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Serge Bombert. Il a créé Retour de Flamme au milieu des années 80. Il a tourné partout, en France, aux États-Unis, dans le monde entier. C'est un programme très très connu qu'il renouvelle parce qu'il est restaurateur, collectionneur de films anciens. Et donc il restaure 50 longs métrages anciens par an. Il a restauré récemment Le Voyage en la Lune de Méliès. Il prépare un documentaire d'ailleurs sur ce film. Et ce soir, il nous propose un Retour de Flamme avec des inédits de Chaplin, 1914, et puis d'autres films qu'il a restaurés, d'autres pépites de cinéma muet qu'il accompagne au piano, dont il va aussi raconter l'histoire. Donc on est très 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 heureux de recevoir Serge Bombert ici ce soir à Cotignac. C'est vraiment un vrai plaisir, un honneur de l'avoir pour cette soirée de ciné-concert. Et en première partie, puisque ce sont des premiers films, bien, on a l'honneur aussi de recevoir et la joie, et c'est une véritable soirée coup de cœur, de recevoir un jeune groupe qui s'appelle les Morvelous. Ils ont entre 10 et 15 ans. Ils sont tous originaires de Cotignac. Ils ont tous la passion de la musique. Et ils sont 5. Ils jouent du rock. Et effectivement, ce sont des reprises, mais pour l'instant, ils sont déjà très 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 bien ensemble. On est très heureux. C'est leur premier concert vraiment important devant un vrai public. Et c'est ce soir au Toit du Sud, les Morvelous, il ne faut pas les louper. C'est absolument charmant et on est très heureux de leur donner leur première scène ce soir ici au Théâtre du Rocher de Cotignac. Cotignac, sur scène, les Morvelous! Singing, I love rock and roll. Put another down in the tube and speed.